Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 10 novembre 2021. Et donc, nous avons la carte du mois dernier qui ressort encore une fois, la roue de fortune. Elle ne nous quitte plus, cette roue de fortune. On s'en est à peine débarrassé qu'elle revient. Hein. En même temps, ici, je pense qu'elle revient... pour moi, c'est assez positivement en fait. Ici, la roue de fortune, elle nous annonce pour aujourd'hui du mouvement, du changement dans l'énergie d'hier, d'avant-hier, vous savez, un petit peu qui nous demande beaucoup d'efforts, on va dire. Là, il y a une énergie qui nous pousse, qui met du mouvement dans tout ça, qui apporte du changement, qui apporte aussi peut-être des opportunités d'aller un peu plus vite. Peut-être aussi un imprévu, mais c'est aussi des possibilités, hein. Très importante aujourd'hui. Peut-être que ces possibilités importantes seront peut-être un petit peu plus bousculantes que prévu. Vous voyez, un petit peu qu'on n'attendait pas comme ça. Voilà. Ensuite, donc, c'est toujours accompagné de la justice. Voilà, voilà. Alors, la carte de la justice en combinaison avec la roue de fortune, moi, j'y vois aujourd'hui l'idée qu'il nous faudra peut-être... cultiver le calme, du coup, hein, comme les choses bougent, garder notre sang-froid, voilà, essayer d'être maître de nos émotions, de nos actions en toute occasion aujourd'hui, afin d'être plus efficace, afin de saisir les opportunités, afin d'être le plus réactif possible, on va dire. Alors, 10 plus 11, ça nous fait 21, le monde. Voilà, voilà, on a fait le tour. Et donc 21 plus 5, ça nous fait 26, donc 2 plus 6, ça nous fait 8, la force. Donc le monde et la force. Alors, moi j'y vois dans cette résultante l'idée que aujourd'hui nous sera demandé de ne pas nier qui nous sommes, on va dire, hein, de ne pas nier non plus que nous sommes la source de notre succès, que l'idée de réussite ne dépend que de nous, en fait, hein. que de nos actions, que de notre envie d'épanouissement. C'est par une vision réaliste, par une vision concrète, par une force mentale à toute épreuve que nous y arriverons, par le fait de maîtriser cette roue, par le fait d'être juste et honnête, et de nous mettre au centre. C'est pas parce qu'on se met au centre qu'on nie ce qu'il y a autour de nous, non, c'est parce qu'on se met au centre qu'on arrive à voir avec netteté ce qui se passe autour de nous, en fait, hein. Et donc là, il nous faudra ne pas nous énerver, ne pas paniquer, ne pas tomber dans la colère, tomber dans la culpabilisation, tomber dans quelque chose qui ne serait pas équilibré, qui ne serait pas juste. Non, on se met au centre, on est réaliste. Et puis on fait avec, et puis on accueille la réalité telle qu'elle est, sans forcément se dire que c'est de notre faute, sans forcément se dire que c'est de la faute de l'autre, mais plutôt en se disant maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est bon pour moi, comment j'agis, et où je vais. Voilà, on va regarder avec le Normand pour ce mercredi 10 novembre, mais je crois que c'est une semaine qui, depuis le départ, hein, avec aujourd'hui une journée peut-être un peu plus où les choses rencontrent moins de blocages, mais c'est une semaine qui, à mon sens, marque un basculement, comme je vous disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, le basculement vers simplement l'énergie de 2022, qui sera une toute autre énergie, là où on a voulu, voilà, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais là où on recherchait de la liberté, etc. Voilà, là on se concentre un peu plus et donc il faut se mettre au centre pour savoir ce qu'on a envie de construire, de concrétiser par la suite, quelles sont nos priorités, est-ce qu'elles ont bougé, est-ce qu'enfin on va faire de notre bien-être et de ce qu'on attend dans la vie une priorité. La croix. Ouais, il y a une fin de cycle, il y a un truc qui se termine. Hein. Je coupe. Le cercueil et le bateau. Ouais, clairement, là, ça pouvait pas être plus clair. Hein, le cercueil, mort et renaissance, le bateau, taillot, hein, on bouge, mouvement, etc. Alors, nous avons l'étoile ce mercredi, donc l'arbre.
le nuage. Au centre, hein, le nuage. Le chien. Et l'homme. Et voilà Nounouche qui ronfle. Spéciale dédicace à Angélique. Alors, l'étoile et l'arbre. De toute façon, cette ligne, pour moi, l'étoile et l'arbre, on commence par ça. C'est, comme je vous disais, la recherche de l'apaisement. Qu'est-ce que j'ai envie d'ancrer? Qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser? Comment je peux le faire en douceur? Avec douceur vis-à-vis de moi, mais aussi en douceur. C'est pas le moment de le faire, hein. Là, on n'est peut-être pas dans l'action encore. On est peut-être dans la réflexion de tout ça. Et si on est dans l'action, peut-être qu'on ne sait pas encore d'où, enfin, où ça va nous mener. Vous voyez, on ne sait pas encore si on va arriver au bout du truc, si on va tenir bon, si on va... Mais en tout cas, c'est positif pour nous. Dans l'absolu, c'est une journée qui me semble douce, qui me semble être une journée un peu charnière par rapport peut-être au reste de la semaine, mais aussi par rapport à ce qu'on veut, en fait, par rapport à nos objectifs. Il y a comme un... C'est comme... Pas une charnière, c'est comme un point d'étape. Comme si on était presque arrivé à un point d'étape qu'on ne sait pas encore si ça aura payé, on ne sait pas encore si les choses iront dans le sens où on veut, et en même temps, on a envie d'y croire, et en même temps, on a envie de générer de la positivité. On voit le chien, l'homme, on a envie d'être positif dans la vie, on a envie de se faire du bien, on a envie d'être doux, on a envie de... Ouais, de faire les choses pour nous, quoi. Alors, je vais tout recouvrir. Donc, nous avons l'étoile que je recouvre par le cœur, l'arbre que je recouvre par la lune. Pardon, j'ai un chat dans la gorge et il me gratte. Le nuage que je recouvre par la maison, le chien que je recouvre par le jardin et l'homme que je recouvre par le trèfle missu est très, très, très favorable, les amis. On devrait passer une très belle journée. Je pense que peut-être que le début de cette journée, on va se dire, bon, j'ai des choses à faire. J'arrive à une fin de cycle, j'arrive à la fin de quelque chose, la fin, ou un point d'étape, ou voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, peut-être juste le milieu de la semaine. Hein. Donc, on va se réveiller avec peut-être l'idée, ou en tout cas, on va se commencer la journée avec l'idée de chaque chose en son temps, on verra par la suite. Voilà, on va être assez cool avec nous et ça va super bien payer parce que moi j'ai l'impression qu'on va être super, constructif aujourd'hui. En fait, on va partir avec l'idée peut-être de pas faire grand chose, genre aujourd'hui je fais ça, ça et ça et ça sera déjà bien. Et au final on aura fait beaucoup de choses parce que quand on regarde la deuxième ligne, on voit que on a un côté émotionnel. Qui est dans l'illusion, c'est-à-dire peut-être que je me sens pas capable de faire ci, de faire ça, de faire ça, et au final on voit que dans la journée ça va basculer vers bah au final si, parce que peut-être que j'aurais délégué, au final que peut-être que j'aurais reçu l'aide que j'aurais demandé, ou que je me serais tournée vers des explications qui me facilitent la vie. Voilà, il y a vraiment un truc, un basculement lié aux autres, comme si l'autre nous venait en aide pour nous permettre de traverser cette journée et puis finalement d'amener de la positivité. Quand on regarde les colonnes, on a un apaisement émotionnel qui intervient dans la journée. Concrètement, on a un apaisement émotionnel qui arrive fort, 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 d'accord ? On a l'arbre et la lune en deuxième colonne. On a un... Comment dire ? Comme des nuages... Enfin, des nuages. Comme des illusions, on va dire, qui se dissipe face à la réalité, l'arbre étant le concret, en fait. Hein. On a une réflexion dans le cours de la journée qui nous mène finalement à lever le voile et à prendre conscience des choses. C'est la maison ici, ça peut être le foyer, tout ça, mais ça peut être aussi la psyché. On prend conscience des choses et du coup, on se rend compte que peut-être là, on a besoin d'aller demander à l'autre comment faire, ou d'aller demander son aide, ou d'aller demander... son soutien, que sais-je, hein, et au final, on va l'obtenir, concrètement, et au fur et à mesure, en fait, c'est en se mettant au centre, encore une fois, et en faisant bouger cette roue, en allant faire avancer les choses, finalement, en toute objectivité, et en se mettant au centre, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire se couper de l'autre, ça veut dire voir la réalité telle qu'elle est, et si je ne suis pas capable, et ben je peux me faire aider, et c'est pas la peine de m'énerver, c'est pas la peine de... Voilà, il suffit juste d'y aller tranquille, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'on va prendre conscience au fur et à mesure de cette journée que
bah peut-être on a besoin d'aide sur ci, ou peut-être qu'on a besoin de temps sur ça, ou peut-être qu'on a besoin de... C'est pas forcément de l'aide extérieure, mais peut-être qu'on a besoin d'aller chercher l'information, de regarder comment les autres font, et c'est pas un mal, en fait. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. On va regarder avec le Victoria 36. On en a deux qui se sont retournés. Alors, la première, c'est celle-ci. Et celle-ci. Là, pour le coup, on va aller voir le livret. Hein, parce que je manque d'inspiration, les amis. Alors, la première, donc celle-ci. Elle vous dit « La reine des cendres, introspection, silence, timidité. Il n'existe pas de lieu plus sûr que notre cœur profond, mais c'est aussi un lieu fragile et solitaire. La nature féminine de l'univers tend à s'isoler et à se retirer en elle-même, mais aussi intense et profonde qu'elle soit, elle n'est pas capable à elle seule de créer et elle reste stérile car elle n'a ni énergie ni ambition. » Et la deuxième, celle-ci, à travers de la forêt. Changement, nouveau parcours, décision. Vous pourriez avoir la sensation de vous trouver dans une situation que vous voulez fuir. Le fait de changer votre parcours et de partir en quête de nouvelles possibilités ne devrait pas vous faire sentir coupable. Suivez votre cœur, il vous faudra peut-être une certaine dose de courage pour faire accomplir les changements souhaités. Mais le moment est venu pour considérer les opportunités disponibles. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut !